voir, dis-moi. Il nous reste donc l'étoile et le parfum. Adeline, viens. Salut ma belle. Hein. Oui, je sais. Je le fais avec mes petits-enfants, tu sais. À chaque fois qu'ils viennent, on se fait toute la truc. Tu sais. Alors, je vais choisir le parfum. Ça va? Pourquoi? Faut voir si ça marche à deux. Ma mère n'arrêtait pas de m'engueuler parce que je perdais tout non. le temps mes parapluies. Oui. À la fin, pour me punir, elle ne filait plus que les casser. Du coup, j'ai toujours voulu avoir un bon parapluie comme les autres enfants. On va passer aux choses sérieuses. Très sérieuses. Adeline? Oui? Qu'est-ce que tu vas commencer comme livre de coloriage bientôt? Bah, les... Coloring Big Kitty. Fais voir. Fais voir. Voilà. Ouais. Premier rayon à l'entrée, on arrive et on tombe sur du chewing-gum. Copic. Graphite, c'est la vie. Graphite, c'est la vie. Promarqueur. Une soirée Newton. Je suis pas fan, moi, des promarqueurs. Tu les aimes, toi? J'arrive pas à trouver des choses par alcool. C'est dur. Non, mais les meufs, vous y croyez? En fait, il y a tout. Hein. Alors, Pan Pastel, Rembrandt, Daniel Smith. Oh, on sait plus comment faire. Là, on est complètement débordés. Là. On sait plus où aller. Il y en a partout. Il y en a là aussi. Oh, les crayons, ils sont là. Oh, là, là, là. Ouais, moi aussi, prends-moi-en. Ouais, vas-y, prends-moi-en aussi. Eh, tous les crayons, ils sont là, meuf. Oh, il y a les carandaches. Oh là 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 là. Il y a tout, tout, tout. Tout y est. Et les crayons, j'ai l'impression que ça commence là. Oh, il y a même nos tailles crayons. Oh. Oh. Bah oui, finalement, on va prendre un cabas. Oh, il y a les Quainor. Toute la collection des... Ah, oh, t'as les Black Edition. Black Edition, alors c'est les ronds? Non, c'est encore les triangles. Putain, c'est fou ça. Ah, il y a les deux. Putain, t'as les ronds et t'as les... Oui, regarde. Ça, c'est les ronds. Et du coup, c'est combien? Ils sont à 28 balles. Il y a les fibres à l'eau. Après, tout ce qui est feutre. Putain, il y a les Black Edition en mode... Putain, on sait plus où donner de la tête. C'est les ronds? Alors là, il y a les Posca individuels. Comme ça, il te manque une couleur... C'est magnifique, t'as les Posca. Là-haut, il y a les Comté. Oh, il y a des crayons Bosner. Ouais? Ouais. Ils n'ont pas des blancs? Il y a des crayons Bosner en pastel. Mais là, moi, j'aurais voulu des crayons Bosner à l'huile. Là, c'est tous les carandages. Ah, Bosner! T'as des Bosner aquarelles. Ouais, pastel. Là, il y a aquarelle, donc tu dois forcément avoir aussi. Peut-être essayer les 12. Ça, c'est les aquarelles Bosner. Aquarelles, ils n'ont pas les... C'est là, ils ont les pastels. Bah si, mais ça doit être plus loin. Alors là, c'est lesquels, ceux-là? Ah, bah c'est les Bosner. Donc ça, c'est lesquels? Ah, c'est les aquarelles. Tu peux aussi après les reprendre... Tu peux après les reprendre à l'individuel. Néocolor 2, crayon pit pastel. Ils sont beaux, crayons. Hein. Derwent pastel. Bah oui, ils sont beaux. C'est pour ça que j'en veux. Mondelux, Goldfaber. Goldfaber, Intense. Ah, les polychromos, ils sont. Alors ça, je vais reprendre. 132. Ah non, ça, c'est les Goldfaber. Alors, polychromo, ils sont là. Donc, c'est celui-là. Celui-là.
celui-là, 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 et c'est les marrons où je suis en rade. Ouais, les marrons. Les marrons, je suis grave en rade de fou. Marron et où le blanc? Voilà. Et le blanc. Oh, je suis trop contente, j'ai trouvé mes bébés. Ils sont là, mes bébés. Oh, t'as les luminances, chérie. Alors moi, les luminances, c'est les marrons pareil qu'il me faut. C'est à vous? Non, ce n'est pas moi, madame. Alors attends, luminance, on va reprendre le skin, bien entendu. Tac. Tac. Et c'est tous les marrons. Alors les marrons, je peux tous les reprendre parce que les marrons, c'est la dèche. Les marrons et c'est dans celui-là, je l'ai encore. Ah bah t'as les... Tiens, t'as le blender. Tiens, on va regarder d'ailleurs s'il y a les blenders, mais pas ceux-là, tu sais. Les blenders, blenders. Ils sont pas des uns ? Des fois, ils sont dans la même présentoir, non ? Ça, c'est pas les mêmes mains. Voilà. Après, t'as les Albrecht aussi. Il y a les Pablo. À l'unité. Derwent Color Soft. J'ai acheté les Pablo complètement. Pour Noël. Ah oui, c'est vrai. Il y a vraiment tout quoi. Oh, Lightfast. Tiens, tu voulais voir. Ils sont là, les Lightfast. Oui, mais c'est pas vrai, j'ai tout. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà tout, les réserves. J'ai pas, pour les crayons, j'ai pas besoin. Peut-être des nouveaux. Ah bah, il y a Lionolo aussi. Alors, ça, c'est lesquels ceux-là? Ah oui, c'est les Comtés à Paris, ça. Comté à Paris. Et ceux-là, c'est quoi? C'est quoi ça? White. On va essayer. On sait jamais. Peut-être qu'il est bien ce blanc-là. Oh, regarde, t'as un énorme blanc. T'as des énormes crayons, regarde. C'est les Comtés. Oui. Et par contre, non, j'ai pas vu le blender. Tu sais, le blender tout blanc, là. Ouais, mais t'as les deux. C'est ça qui est chiant. Ils sont vendus à chaque fois comme ça. Bah oui, bah c'est nul. C'est comme ceux-là, moi j'aime bien aussi ceux-là, tu sais. Ouais. Mais bon, j'utilise plus ceux-là que les vernisseurs, quoi. Alors, les vernisseurs, j'en ai plein. Et ceux-là, c'est dommage que je ne les prends pas, lui. Ouais. C'est les cubes. Tu sais, c'est un peu comme les... Ah, les carrés. Oui, c'est un peu comme les... Il y a une autre marque qui les ont, je les ai offert. Moi, les Intense, ils les font présenter comme ça aussi. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, regarde les gros blocs. C'est un truc de fou. Carnage. On les garde parce que c'est du polychromo et que c'est ultra solide. Ah oui, et du coup, Bosner à l'huile, il y a pas? Qui sont les... Bosner, c'est là, mais c'est des aquarelles. Bosner, non? Si. Ça, c'est... Bosner, crayon pastel. Ça, c'est les pastels aussi. Non, on va leur demander. Il y en a peut-être de l'autre côté encore. Hein. Là, après, c'est tout ce qui est Uniball, Pilote. Tous les pintels, ils sont là. Poscar. Là, il y a des coffrets. Il y a des coffrets. Là, t'as des règles de toutes les tailles. Alors là, on revient sur les pâtes pastels de ouf. Bosner, c'est quoi ça? Moi, j'avais envie d'essayer les crayons Bosner, mais... Genre, tu vois... Là, c'est pastel, pastel. Ah, Bosner. Ah non, bah attends, ils font tout sauf les crayons à l'huile, c'est pas possible. C'est pas possible, on doit pas les voir. On doit pas les voir, c'est pas possible, ils ont tout sauf les... Non, mais je pense que c'est ceux-là. Hein. Les normaux. Mais c'est ça, c'est les normaux. Parce que ça, c'est les pastels. Ouais. Ceux-là. Et ça, c'est les normaux. Ils sont non, pas... ça, c'est les aquarelles. Regarde. Les aquarelles. Bah oui, regarde, aquarelles. Bah, y a pas marqué attends. Hein. Là, tourne-les, c'est les mêmes. Regarde la photo. Pourquoi c'est pas marqué dessus alors? Je sais pas, mais en tout cas, c'est cela.
Il n'y a pas les normaux. On va leur demander. Crayon de couleur. Il y a les muséums aussi. Supracolore. Oh, il y a vraiment. Il y a vraiment tout. Ça, c'est les pites pastel. Attends, je vais lui demander au monsieur. C'est énorme. Il y a. Pouf. Là, il y a plein de trucs de déco, de. Plein de trucs, de tout, de bricolage, de tout. Là, il y a le papier à dessin. Il y a tous les pentons, toute épaisseur, toute taille, grain, pas grain, petit bloc, pas petit bloc. Canson, tout ce qui est calque. Ouais. De pastel à l'écu. C'est énorme. Finesse, ça déjà. Tiens, t'as les procolores. C'est quoi ça? Et c'est PBO. Ah, c'est le pays, hein. Ah, il y a toutes les paillettes. Ah oui, ça, oui, bah, je les ai, ce truc-là. Glitter, machin. Je sais pas si c'est la même marque, mais... Donc là, c'est tous les papiers, toutes les feuilles. Là, on arrive dans le... Oh, on a vu qu'une petite partie des peintures, ma chérie. Putain, tout ce qui est... Oh là là. Ah, c'est quoi ça? Sennelier. Peinture acrylique multi-support. Il n'y a pas en blanc ça? Oh, on va essayer ça. Mais ça coûte. Oh putain! C'est quoi ce délire? Mais ça a l'air de déchirer ce truc là. C'est quoi? Il me faudra un verre. Oh, le pack il va pas me convenir parce qu'il va pas y avoir les couleurs que je veux. Oh! Pearl green là. C'est quoi ce truc là? Ça déchire ça? C'est de l'acrylique en espèce de... Oh non, mais moi, il faut pour ça que je ne sors pas. Tu comprends pourquoi je sors pas? Il n'y a pas un vert foncé? Il y a du vert fluo, mais... Du vert foncé? 3D liner. Faut on va en essayer trop. On va bien. De toute façon, il n'y a pas d'autres couleurs. Van Gogh. Van Gogh, Vitex. Jelly. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Oh, les beaux pinceaux. Oh. Énorme pinceau. Oh là 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 là. Oh, un gros pinceau énorme. Ça, je l'aime. J'ai pris un lot, mais pas des gros comme ça. Les petits. C'est ça que j'ai pris. Ouais. Ah. Ça, c'est tout ce qui les accroche, les gants, les machins. Ça, c'est tout ce qui est les peintures et tout. Ça c'est quoi tout ça? Ça c'est des tubes. Tout ça j'y suis déjà passé. Ah, ils font beau snare acrylique aussi. Alors ça c'est du Kitex. Tout ce qui est du Kitex. Alors, oh, beau snare, Will Studio, peinture à l'huile. Van Gogh. C'est mes pigments purs. T'as les pigments purs là. Si tu veux toi-même fabriquer tes aquarelles et tout. Ou tes peintures à l'huile, ce que tu veux.
chant bourgeois là, mais sur les gros tubes. Hein. C'est différent. Oh, elle est trop bien là, celle-là aussi, putain. Bon, ça c'est de l'huile, je ne saurais pas utiliser l'huile. Ça c'est tous les médiums. Oh, c'est quoi ce petit truc là encore? C'est quoi ça? Ce tube là. Alcool. Ah, c'est des encres. C'est des alcools. Alcool liquide. Trop bien. Que tu dois mettre, tu sais, ouais. Aussi dans les. Ah non, et ceux-là je les ai. C'est quand tu fais quand tu peins les petites figurines, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, oui. Lucas. Schmink. À l'huile. Voilà, on est dans l'huile. Hein. Là, c'est tout ce qui est les bombes, le frambourgeois, l'asco. Là, on est dans les gels paillettes en gros, gros, gros tube. Encre. Ah, quoi ? Ah, bah oui, c'est les trucs Colorex. Et en fait, ils les font, tu les as aussi comme ça, là, Colorex. Là, tu sens vide et après tu remplis tes trucs, c'est ça? Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. Marqueur peinture pour cuire. Pour cuire. Ah oui, bah là, c'est de la tablette Minus. Rayon de chevalet, des lampes de bureau. Ah oui, ça c'est des trucs traceurs, je l'avais acheté et puis j'ai trouvé ça nul, je l'ai ramené. Papier toile. Mais voir papier toile. Ah bah oui, c'est le truc comme j'avais acheté là. Canva, ouais. Ça c'est le papier caisse américaine. Ça c'est tout ce qui est le papier. Oh, des toiles de toute taille. Oh pardon, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est pour peindre ces machins là. Ça et aussi les petites je sais plus comment ça s'appelle, les petites ça va me revenir quand on y pensera plus. Ah bon, alors là on a un crayon de toile de ouf. Là, tu veux de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs. Après, là, tout ça, c'est encadrement et tout. Non, moi, je veux trouver le rayon où il y a les livres. Les livres. Ah, voilà. Oh, là, si, il y a des livres. Oh, il y a un beau piano. Ce qui marche. Plus pour les petits enfants. Oh, mais c'est quoi ça? Faut lui peindre le petit bonhomme. Oh, on va prendre ça, ma fille. On va prendre ça, Titina. Oui, regarde, c'est pour peindre un petit bonhomme. Ah oui. Après, faut mettre la peinture dessus. Bah, si je comprends bien. C'est du plâtre que tu coules. Ouais, moulage.
Mais faut pas le faire, il est déjà fait, je veux dire. Non, non. Ah non, faut le faire. Ah non, je veux pas le faire. Ah, c'est pas comme ça. Il faudrait que ce soit déjà. Oh, bah t'as même. Ils te font même un peu de trucs painting, de peinture. Oh, t'as les petites peintures à numéros là. C'est du papier aussi, ça? Ah ouais. Non, c'est plus comment apprendre à dessiner quand tu as. Apprendre à dessiner des mangas. Ah, c'est de la truc pour les doigts. Ouais, donc du coup, c'est genre des petits livres. Oui, et les livres tuto. Ah ouais. Peinture à l'huile. Oh, bah je l'ai celui-là. Je l'ai celui-là. Mon cours d'aquarelle en 30 jours. Mais c'est vraiment là. Bah non, parce qu'en fait, c'est genre pour faire des tableaux, tout ça. C'est pas pour utiliser. Non. Bon, bah franchement, très joli magasin. On n'aura pas fait ça pour rien, on est contente. Il y a vraiment de tout, tout, tout. Mais ce qui est vraiment agréable, c'est enfin d'avoir une boutique où tu retrouves quasiment tous les crayons à l'unité. Là, on va vous y accompagner en même temps qu'on repart pour vous montrer. Et donc, c'est à exactement une heure de la maison. Et ouais, ce que je vous disais, c'est que le super avantage, c'est que vous avez toutes les marques de crayons à l'unité. Et ça, c'est super pratique. Alors, on n'a pas vu les Holben, par contre. Il n'y a pas les Holben. Et il n'y a pas les Prismacolor. Après, il y a quand même beaucoup, beaucoup de marques. Là, c'est toute la peinture à l'huile et tout. Franchement, c'est top. Là, tu as tout ce qui est les petits blocs. Là, pour celles qui aiment bien faire les petits notebooks et tout, les sketchbooks. Il y a vraiment, vraiment tout. Et en tout format, petite et grande qualité. Désolée, je protège les gens. Là, c'est toutes les peaux. Alors là, t'as un rayon de pinceaux de fou, de folie. Ouais, du coup, on s'est renseigné et il n'y a pas de crayon Bosner à l'huile. Les crayons à l'huile, c'est les crayons Bosner, c'est juste aquarelle et pastel. Et on a bien eu la confirmation que les Luminances sont des crayons de quasiment la même composition que les polychromos, sauf qu'ils sont beaucoup plus huileux. Donc en fait, les Luminances, ils sont aussi à l'huile, principalement. Voilà, et c'est là qu'il y a vraiment toute la réserve de crayons. C'est là, là. En fait, tous les crayons, ils sont là. Bouge ton boule, Ginette. C'est magnifique. Donc, résultat des comptes. Ce qu'on a acheté, ben, on vous montrera quand on sera arrivé. Et là, on a oublié de filmer un rayon. C'est là où il y a les tombeaux. Là, il y a tous les tombeaux à l'individuel, si ça vous intéresse. Alors, il y a les graphos que je vous avais dit qui sont super, là. Mais le seul truc, c'est qu'ils n'existent pas en beaucoup de couleurs. T'as des petits packs manga, tout ça c'est Tombeau. Et là c'est les graphites. Les Zig. Les Zig. Ouais. Là il y a les Zig. Pintel métallique. Ah, c'est des brushes. Dual brush métallique. Là il y a. Bah ceux-là je les ai, ils sont super en fait comme ça. Là. Fine marker. Bah goûte, goûte. Ah, ceux-là, je les avais essayés, mais je suis pas fan. En plus, ils sont chers. Bosner, Freeliner, fais voir Freeliner. Ah, ça, c'est chiant. Bon. Et là, de l'autre côté, il y a des tout ce qui est les trucs pour faire l'encre du film.
tout ce qui est encre de Chine, tout ça. Pourquoi t'aimes ça, les encres de Chine? Les encres, oui. J'aime bien aussi les encres. Elles sont complètement... Et moi, on m'avait offert ça, mais je sais pas où elle est. Tu peux en mettre aussi dans... Je crois qu'on me l'avait offert, ça fait voir, j'aimerais bien voir le pot. Peut-être que je l'ai, mais c'est juste que elle je l'utilise jamais. Ah non, mais c'est assez rond maintenant. Il me semble que je l'avais, ça. Je sais pas pourquoi, ou alors je l'ai fait des fois, moi. Et ça, c'est quoi la différence avec celle-là? Sliver métallique aluminium, ah, gold. Ça, ouais. Bah, c'est celle que j'ai pris là, non? Ouais, mais moi je préfère en petit. En petit, oui. J'ai pas vu que j'avais. En petit. Et celui-là, c'est quoi ça? C'est blanc. Ah, c'est bah white, c'est blanc ça. Ouais. On va prendre blanc. Blanc, je l'ai là. Blanc. On va prendre blanc, sliver. Ah, voilà, il y a en petite. Toi aussi, il y a en petite comme ça? Ouais, mais par contre, celle-là, je l'aimerais bien en petite. Elle est pas en petite, celle-là? Elle était pas là? Non, non, c'était là. Non, c'est là que la grande. Et là, c'est pas la petite là-bas? Non, c'est une grosse. Ah, si, c'est une. Ah, bah, c'est une grosse. Ouais, c'est... Et ça, ça a l'air. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est. Bleu, c'est les couleurs. Et ça? Ça, c'est. Brown. Brown. Et ça? Brun turbe. Et ça? Black. Et ça? Blue. Alors, blue. Vert. Jaune. Sunshine yellow. C'est peut-être pas mal ça, sunshine yellow. Et yellow canary. Brillant green. Et ça, c'est quoi? Liquide. Indien. Sliver. Black négro. Il y a black noir, black négro. Burnt china. C'est quoi ça, fait voir? On a le droit. C'est tout piqué. Oh, ah bah oui. Ah oui. Là, on est vraiment sur du burn sienna. Donc, bon. On va le remettre dans la petite boîte. Tac. Et on le remet là. Brique. T'as même de quoi faire des briquettes. Et ça, c'est quoi? Assortiment. Ah non, ça c'est pour... bah oui, c'est d'accord, j'ai compris. Alors non, on va prendre ça. Il me plaît, moi, le sunshine, là. Je vais essayer. Et par contre, non, on va poser le canari. Voilà. Alors, on a pris 4 petits pots comme ça. Oh, c'est quoi cette boîte randoche là? C'est juste une boîte comme ça. Oh, tout mignon. Une petite boîte. Ça en lâche. Ouf, calligraphie. Oh, Faber Castell, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va essayer White Brush. Du blanc? Ouais, White Brush. Tu sais, on est toujours à la recherche de blanc. Ouais, on va voir si c'est vraiment opaque. On va voir si c'est vraiment du... Oh là 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 là, et ça c'est quoi cette espèce de blanc là? Oh, mais ça a l'air vraiment trop liquide. Et t'es sûr que le blanc de ça, ça court? Ça c'est quoi? Ben, ça c'est des acryliques, non? Des peintures acryliques, non? C'est quoi cette marque? C'est quoi cette marque? C'est pas des trucs qui... Je sais qu'il y a des trucs qui se rechargent.
les crayons qui se rechargent, est-ce que ça serait ça? Je sais pas. Bah. Et là, toi, étant là, en bas. Peut-être des gros bouts, je pense. C'est bizarre. Je me suis pris quelques graphiques. Bah ça déchire. Ça ouais. Tu vas pas être déçu hein. Bah j'en ai un déjà. Voilà. Là c'est tous les feutres Pitt Pastel. Tous les feutres Pitt Faber-Castell. Bon ben voilà, on a fini le tour de cette boutique magnifique. Et maintenant, on va rentrer. On va rentrer à la maison. On aurait quand même trouvé des petits trucs sympas, franchement, qu'on connaissait pas. Moi, j'ai découvert qu'il y avait des gros crayons Faber-Castell. Spécial blanc, genre, tu sais, type. C'est feutre. Je viens de passer devant. Donc voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, il y a peut-être des blancs à tester là. C'est quoi ce blanc là? Ah, c'est le Pintel Milky. On le connaît. L'hybride, on le connaît. Pilote, on connaît pas, on va essayer. Pintel, celui-là, on connaît. Pintel hybride, on connaît. Ça, c'est quoi ça? On va essayer. Je l'ai pris. C'est hybride. Pintel hybride. Ouais. On verra bien. C'est bien ou pas? Ouais. Après, c'est tout. Ah, alors attends, est-ce qu'il y a des tailles différentes dans mes Faber-Castell? Ça c'est le médium. Ah, ils ont que les médiums. Ouais, ils ont que les médiums. Ouais. Que les miens, je sais pas, les tiens, ils font ça, ils se. À la fin, tu sais, ils font non plus. Pas mes Faber-Castell. Bah si, c'est dans les. Mon petit servien d'IA, il était au bout. Ah, moi? Oui. Oh, mais le plus vieux. Bah oui. Ils font ça au bout d'un moment. Ouais, parce que franchement, et encore, moi, il fait ça parce que tu sais, je l'ai bloqué dans le bouchon. Tu sais, j'ai mal refermé. C'est d'autres aussi qui sont là. Il y a même les duals métalliques qui brident là. J'en avais racheté, mais c'est pas. Moi, j'ai racheté avec le pain. C'est quoi ça? C'est des encres. C'est un énorme pinceau à réservoir d'eau. Bizarre. Voilà. Bon, on y va? Hein? C'est peut-être Bosner? On se réserve, non. Non, c'est pas Bosner. Et voilà. Que regarder. 300 boules. Salut à tous hein, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous ai un peu montré là le magasin, comment ça s'était passé la visite et tout. Et je vous avoue qu'au départ, on a hésité à y aller parce qu'il y a de chez moi une heure de route et on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. En fait, ce qu'on appréhendait, c'était d'arriver là-bas et de trouver un peu les mêmes produits qu'à Cultura, quoi. Donc, si c'était pour faire une heure de route, pour avoir quasiment les mêmes produits que Cultura, on trouvait quand même ça assez moyen. Et donc, du coup, on a quand même regardé un petit peu sur Google en tapant Woosner, essayer de voir un peu des photos. Puis bon, on a quand même vu qu'il y avait 400 mètres carrés de surface, etc. Donc, on s'est dit, bon, allez, on va voir et on verra bien. Et franchement, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup, surtout pour les crayons à l'unité, parce qu'il y a plein de gammes que vous ne trouvez pas du tout partout, quoi. Là, vous avez tous les luminances qui sont... D'ailleurs, il y en a 5 des Woosner en France. Il y en a un à Paris.
Il y en a un à, donc celui où on a été à Champigny. Il y en a un à Bordeaux. Il y en a un à Lyon. Et il y en a un en Provence. Voilà, c'est pas compliqué. Et d'ailleurs, j'ai appelé Momo aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi. Il est 23h et quelques. Bah, j'ai été contente de retrouver ma fille. Alors, on a un peu traîné. On a regardé Nemo et tout. Et donc, bref, donc là, je suis en train de tester des trucs. Et dans l'après-midi, j'ai laissé un message à Momo et je lui ai dit « What the fuck ? Comment ça ? Tu as un Bosner à côté de chez toi et tu nous as jamais parlé de cette boutique magnifique. » Alors, vous avez plein de trucs sympas. Vous avez aussi beaucoup de marques de peinture en tube comme ça, que comme ça vous achetez les couleurs que vous voulez. Donc niveau crayon, moi c'était surtout les polychromos. Et alors d'ailleurs les polychromos j'ai repris que les skins, alors qu'en fait là en rentrant, j'ai regardé et en fait il me faudrait du bleu, il me faudrait du vert. Donc vraiment il y a un moment où je vais me poser. Je vais noter les numéros et j'y retournerai à l'occasion. Et quand il m'en faudra vraiment pas mal, parce que là, du coup, j'ai quand même pas mal réapprivoisé. Je suis tranquille pendant un moment. Mais et j'irai vraiment avec les références. Même Adeline, par exemple, elle avait les pannes pastel qu'elle a commencé la collection. On ne pensait pas du tout trouver ça là-bas. Donc, elle n'avait pas prévu sa liste de ce qu'elle avait déjà à la maison et de ce qu'il y aurait là-bas. Donc du coup, elle n'allait pas les prendre au pif si c'est pour après avoir des doubles, voilà. Mais bon, elle a une chance, c'est qu'elle va de temps en temps à Bordeaux visiter sa famille. Et il y en a un à Bordeaux. Donc du coup, elle ira à Bordeaux. Alors là, après la vidéo visite, donc gros bisous Momo si tu passes par là du coup. Et j'espère que bientôt tu nous feras une petite vidéo ou Nabaya, hein, parce que Nabaya et Morgane sont du même coin. Si une de vous deux va faire un tour à Brosner de Lyon, j'espère que vous nous ferez une petite vidéo, parce que d'un magasin à un autre c'est pas le même. Déjà par exemple Paris c'est beaucoup moins au niveau des mètres carrés que celui-ci, que celui de Champigny. Donc forcément il y a des différences sur les stocks et sur ce qu'on peut trouver là-bas, bien que souvent ce soit aussi une question de masse. Il peut quand même y avoir quelques produits où vous allez en avoir plus, où il y aura peut-être moins de ruptures. Enfin voilà, parce que là par exemple dans celui de Champigny il y avait vraiment beaucoup de choses, mais sur certaines marques il y avait quelques absences, pas sur les crayons. Sur les crayons ils étaient vraiment opérationnels, mais par exemple sur les Daniel Smith il y en avait une. Adine finalement elle a trouvé, enfin je lui ai trouvé celle qu'elle pensait qu'il y avait plus. Mais moi aussi, à un moment, il y en a une que j'ai cherchée et elle n'y était pas. Et on a revérifié toutes les deux pour être sûres. Parce que des fois, elles étaient un peu déplacées, donc on a bien regardé partout. Et voilà, c'est le seul petit truc. Donc du coup, ça peut changer d'un Bosner à l'autre. Donc à l'occasion, Adeline a déjà prévu de nous faire faire une petite visite guidée quand elle ira. Donc Nab et Momo, on vous attend. Parce que franchement, les produits Bosner... En tout cas, moi, j'ai été surprise par la diversité des produits. Ils ont aussi leur propre marque. Donc, on va tester là. Donc, on verra bien si c'est pas mal. Déjà, au moins sur ce produit-là. On a trouvé plein de petites palettes sympas. Je ne pensais pas qu'il allait avoir des produits japonais. Mais comme je vous dis, ou coréens, ou voilà, asiatiques, quoi. Parce qu'il y avait la marque Kurtake, là, les palettes que Lilise et Nabaya m'ont offert. Maintenant, j'ai l'ensemble. Il y a la grande palette que Lilise m'a achetée. Et après, j'ai eu la petite... c'est celle-là. Celle-là, vous les trouvez. Les Kurtake, là, toutes les petites palettes métallisées, tout ça, vous les trouvez. Enfin, vraiment, de toute façon, vous avez vu, je vous ai quand même montré une bonne vidéo là juste avant. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je répète tout, puisque j'avais oublié que je vous avais montré ça juste avant. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est intéressant. Bon, là, moi, j'ai pas pris énormément, mais j'ai pris plein de petits trucs, plus ça. Et au final, donc là, tout ce que je vais vous montrer là, parce que je vais vraiment tout vous montrer le chariot. Et donc, le chariot complet. C'était 200, parce que tu as le prix hors taxe, 339,15. Donc ça monte quand même assez vite si tu prends beaucoup de trucs. Mais là, ce qui est beaucoup monté, c'est j'ai pris des coffrets à 30€ comme ça, déjà voilà, 30 balles. Les Daniel Smith, j'ai pris certaines couleurs qui sont catégorisées. Donc le tube, il est à plus de 20€. Voilà, donc quand tu prends des trucs comme ça, mais par exemple que les crayons, par exemple, je vais vous donner les prix. J'ai pris par exemple, attends, ils me les avaient regroupés en même temps.
voilà, crayon luminance, Carandash. Tu vois, j'en ai pris. Donc ils sont à 3,95. Ils sont à 3,95. Ben, ils sont tous à 3,95. Et la polychromo, j'en ai pris. Je viens de les voir, j'en ai pris 10. J'en ai eu pour 22,50. Donc voilà, pour plein de trucs, ça reste intéressant. Pour tous ces produits-là, voilà, on est sur des prix intéressants. Alors, hop. Donc maintenant, bah, je vais passer au test. Alors, pour tout ce qui est nuancier, alors déjà, les crayons, bah, je ne vais pas les tester parce que ça, c'est vraiment des jeux que j'ai pris pour. Je vais extraire de la commande les crayons de couleur. Parce que ça, on ne va pas les tester. Luminance et les polychromos. Un coup je dis mot, un coup je dis mot, c'est comme ça. Il y a au moins une fois sur deux où j'ai bon. Voilà, et ça c'est tous les petits blancs que j'ai trouvé. Les petites. Alors ça, les gommes, on va pas les tester. Moi je les prends tout le temps, c'est celle que je préfère. Après le reste, on va tester. Donc on va tester tout ça. Les tubes de peinture, je vais les ranger parce qu'en fait, je les ai mis l'autre fois en live avec vous en godet. Donc, je vais faire le nuancier avec vous. Comme ça, on va découvrir les couleurs. Je me suis noté les noms sur une feuille. Comme ça, je pourrais vous les dire. Donc, ça, c'est de la réserve. Je vais ranger. Je vais juste garder une gomme parce que j'en ai plus. Le reste, c'est bon. Pareil, ça, j'ai repris en réserve, mais je vais ranger parce que bah, on connaît. Et puis, le mien, je viens de sortir mon dernier. Ça, ce sera pour. Hop. Ça, c'est bien ici. Voilà, comme ça. Ce qui est en réserve, c'est rangé. Donc, bon, gomme, ça, je vais la garder près de moi, puisque je pense que je vais bien la kiffer, mais on va pas essayer ça. Ça, on va tester ce que je connais pas du tout. En fait, Adeline, elle s'est pris un petit pot et elle m'a dit qu'elle connaissait, qu'elle en avait déjà un autre, je crois. Et je lui ai dit, mais c'est bien et tout. Elle m'a dit oui. Et apparemment, Nabaya m'en avait déjà parlé. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas. Mais bon, là, ils étaient là. Il y en avait plusieurs. Moi, j'aimais bien le Sunshine. Là. Donc, ça, c'est pareil. Je vais faire une petite page. Je sais pas comment je vais faire. Je vais les nuancier. Je sais pas trop comment. Je pense que ça s'utilise en direct. Hein. On va voir. Voilà, ça fait quand même pas mal de petites choses à essayer. Ça, je vais pas tous les ouvrir. J'ai vu qu'il y en avait des gros. Alors moi, les gros, je les utilise pas trop. Donc, je vais plus prendre le tout petit et le médium. Je les essaierai, comme ça, je vous dirai. On les essaiera avec les sonneliers. Les autres, hop, je vais les ranger en réserve. Tac. Voilà, ça on va essayer. Je pense que je vais les switcher sur la même feuille que ça. Hop. Ça et ça, je ferai le nuancier, pareil, avec vous. Et bah ça, je peux le ranger en réserve puisque j'en ai repris. Parce qu'en fait là, j'avais racheté 5 blocs en beige. Et c'est vrai que comme je suis pas très forte pour le blanc, quand je vais avoir des colos avec du blanc. Où il y a beaucoup de blanc à faire, c'est-à-dire j'en avais plus du tout du papier blanc sauf de l'aquarelle. Voilà, j'ai repris un gros bloc comme ça. Moi j'avoue que je préfère le blanc. Quand j'ai du blanc à faire, sinon je préfère carrément le beige. Donc voilà. Alors, du coup, je vais commencer par les Daniel Schmidt. Comme ça, je vais pouvoir les ranger parce que là, je suis pas fan, elles sont pas rangées. Maintenant qu'elles sont séchées, c'est bon. Alors, je suis con, je les avais déjà rangés. C'est ceux de Nabaya qui sont là. Alors, ceux de Nabaya, j'ai retrouvé une petite boîte là. Je vais lui mettre dedans. Je l'ai retrouvé tout à l'heure. Hop, je vais changer sur tout ce petit matos là. Hop. Voilà. Et Nab, je vais lui mettre là. Avec le. Je vais mettre le petit papier du code et je mettrai une espèce de petite mousse ou quelque chose pour que ça bouge pas. Donc ça c'est la Nabaya. Hop, voilà. Donc là, moi elles sont là, toutes celles que j'ai prises. Et je me suis fait là
une petite feuille. Où c'est que je l'ai foutu? Là, peut-être. Je sais plus. Là. Je me suis fait une petite feuille avec les couleurs que je vais renoter sur mon nuancier. Comme ça, vous verrez c'est quoi les couleurs à mesure. Là, c'est quel sens? Ah, ceux-là, c'est dans le bon sens. J'aime pas quand ils sont à dévisser de l'autre côté. Hop. Je suis trop contente d'avoir fini de ranger tous mes livres. Après, là, je vais me prendre une soirée où je vais mettre tous mes trackers à jour. Parce que comme encore une fois... Oh, il coule doucement celui-là. Comme encore une fois, j'ai... Pardon. Et du coup, comme je me suis encore une fois séparée de mes livres, je vais mettre tous les trackers à jour. Là, je suis en train de prendre un bloc de papier action parce que pour les nuancier, c'est très bien. Donc, j'ai commencé avec les senneliers. Les senneliers, c'est dans ce papier-là, enfin ce bloc-là. Ah, d'ailleurs, j'ai déjà les couleurs classiques, hein, où c'est que j'ai été les mettre. C'est pas Sonnelier, merde. C'est Daniel Smith, pardon. Oh, vraiment, j'arrête avec le M-E-R-D-E. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, attends. Ah, je crois qu'il était dedans. Non, je sais plus. Supervision. Martini. Ah bah si vous n'avez pas fait, c'est pas grave. C'est l'air que je vais faire. Bon voilà. Donc du coup, je les ai tous à faire. Alors, je sais plus combien j'en mets par page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'en ai un peu plus. Donc, 2 pages. Deux pages. Il nous faut. Alors là, je vais vite fait couper la vidéo, tu sais, le temps de reporter les numéros que j'ai notés sur mes godets et les noms là, parce que sinon ça va mettre trop de temps. Enfin, après, je veux dire, je pourrais pas monter la vidéo parce que j'en ai pas assez de place dans mon tel. Donc voilà, je recopie ça et puis tout ça. Puis tout. Puis je pense que je vais directement préparer toutes les feuilles des nuanciers, au moins pour ça. Je sais pas, mais en tout cas, je vais m'avancer déjà sur ça. You look so fine. Yeah.
guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you. Voilà, donc là, je viens de refaire, du coup, ceux-là, je les avais déjà. Mais je ne sais pas pourquoi, je les avais pas mis dans mon petit carnet de nuanciers, donc je les ai mis. Peut-être parce que je comptais pas en racheter et que, du coup, ces couleurs-là, elles sont assez faciles à déterminer, je sais pas. Parce qu'en fait, tu as un pack, les 6 premiers, là, c'était un pack perlescent que j'avais acheté à Rougier et Play. Ces 3-là et ces 3-là, c'est un pack, genre, les couleurs un peu classiques. Ça, c'était un pack de que des couleurs granulation. Avec les P là, donc ça c'est les genres, quand tu les prends en grand là, c'est les, là où il y a les P sur le tube, c'est les plus chers, ils sont à peu près à 20 euros, mais après c'est les 15 millilitres. Hein. Et là c'est celle qu'on a achetée avec Adeline à Bosner. Et ça c'est la couleur que Adeline elle a pris en tube et qu'elle m'a fait un petit godet. Et tout cela c'est ce que moi j'ai pris en tube et que du coup que j'ai fait un petit godet à Adeline. Voilà. Alors franchement top, alors par contre ça non.
Bah, alors après, bon, moi, là-dessus, il ne faut peut-être pas prendre mon avis, parce que si vous voulez, moi, je suis habituée au pinceau Faber-Castell. Je les crame depuis très très longtemps, il n'y en a qu'un seul qui est abîmé, c'est le tout premier que j'ai acheté, que ma fille elle a pris, qu'elle a tordu dans tous les sens et tout, donc voilà. Et il y a aussi des fois où je faisais pas gaffe tout au départ, je fermais mal, c'est pour ça que je ne le mets plus, je fermais mal le bouchon. Et en fait des fois je coinçais tu sais genre quand tu le remets pas bien droit ou si tu fais pas bien ça avant de le remettre, là et encore, hein, là c'est vraiment pas de la qualité les pinceaux à Obosner, parce que regardez j'ai juste fait le nuancier, il est déjà en friche, je pourrais plus rien en faire quoi. Donc un jeu de nuancier et puis ça l'a cramé quoi. Donc non, Bosner, ça c'est un peu comme le Pintel, comme tous les autres que j'ai achetés sur Amazon. Rien de vaut un Faber-Castell, parce qu'un Faber-Castell, si tu le rebouchonnes bien, pas comme moi, qui voulait parfois coincer les poils dans le bouchon, ou si tu ne files pas à ta fille de 3 ans, bah, il dure énormément de temps quoi, le Faber-Castell. Pour franchement l'abîmer, enfin, ceux que j'ai pu utiliser moi-même, ils sont toujours nickel et je n'utilise que. Et je ne les cajole pas, hein. Je ne les cajole pas du tout, hein. Je les utilise normalement. Donc non, pour moi, là, les pinceaux à eau, machin, là, je vais les finir pour le nuancier, parce que du coup, je m'en fous que ça parte en friche pour le nuancier. Mais voilà quoi. Voilà, on va pouvoir les utiliser dans la précaution, je ne sais pas quoi. En tout cas, les Faber-Castell, j'ai déjà fait plusieurs fois des nuanciers avec dans tous les sens. Et il n'y a aucun souci avec. Quoi. Donc, par contre, les Daniel Smith, rien à dire. Donc là, je vais continuer le reste. Hein, parce que là, vous voyez, c'est en train de sécher. Les couleurs seront posées quand ce sera bien sec. Donc, je vais les mettre de côté. Et je vais faire... Enfin, je pense que je vais faire le nuancier de ça, là, vite fait, et des petits pots, là. Et après, je ferai les deux petites palettes.
Voilà, donc là, je viens de finir les quatre encres. Donc les trois petites et la grande. C'est top. Alors celle-ci, elle n'est pas opaque, elle est translucide. Celle-ci, elle est opaque. Celle-ci, méta-méta. Si tu en mets beaucoup, ou peut-être en attendant que ça sèche et au bout de plusieurs couches, donc je pense pas, mais plutôt pour dans les fonds, rajouter du blanc, ça peut être pas mal, tous ces petits trucs-là. Mais pour contourer, non. Hein. Et celui-là, il est opaque. On voit bien qu'il couvre bien aussi. Alors après ça, par contre, j'adore. Ça, j'adore. Donc là, j'en ai trois couleurs. Je vais en commander un vert. Et parce que je pense que pour tout ce qui est contouré ou faire des effets dans les feuilles, ça peut être pas mal. Alors, faut au départ s'adapter un petit peu à la manière dont tu appuies. Mais ça se prend quand même assez vite en main. Mais c'est surtout, c'est très opaque, c'est d'une très bonne qualité. Alors, je me rappelle plus combien ça coûte, ça. Mais en tout cas, je vais regarder sur Amazon et je vais comparer du coup avec le prix à Bosner. Mais en tout cas, c'est top. Ça, c'est vraiment top. C'est un vrai coup de cœur. Je suis très fan. Tu vois, pour ajouter du blanc, contourer le blanc, ça va être une tuerie de Dieu, quoi. Ça, blanc, je pense que je vais en recommander un. Et un vert. Après, bon, je vais voir les autres couleurs parce que, par exemple, dans le Bosner, là où on a été, il y avait des emplacements de ça vide. Donc, je pense que ça doit vraiment être bien. Parce que, je pense que les bons produits, sur certaines couleurs, ils seront dévalisés. Et des blancs, il n'y en avait plus beaucoup. Donc, voilà. Donc là, on a fait les Daniel Smith. On a fait les encres Windsor. Windsor et Newton et les Sennelier Abstract. Là, on va faire... Ah oui, on va faire la palette quoi? Parce que j'ai déjà préparé les petits trucs pour faire le nuancier. Donc ça, je vais mettre un peu de musique. Et puis on va le faire. En fait, c'est la palette où il y a l'espèce de petit médium là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire le nuancier. Hop, c'est vrai qu'il faut le lever. Hop, le nuancier des couleurs, donc dans l'ordre. Hein, je me suis positionné la palette comme ça. Là, on est sur des couleurs classiques. Donc que ce soit plus petit, ça ne me dérange pas. Parce que ceux des couleurs classiques et opaques, il n'y a pas de granulation. Par contre, si tu veux granuler, tu ajoutes ça, apparemment, médium iridescent. Enfin, c'est genre iridescent, c'est pas granulation. Et du coup, je mettrai. Je ferai un test avec quatre couleurs. J'ai pris un peu au pif là dans les numéros. Et on rajoutera dessus pour voir comment que ça fonctionne, ce petit truc-là. Là. Ça, je connais pas. J'ai toujours acheté des peintures qui sont déjà iridescentes elles-mêmes, que là apparemment tu peux toi-même les faire. Alors attention, hein, c'est pas à confondre avec granulation, ça va logiquement, c'est censé faire un côté paillette quoi. Oui voilà, c'est pas granulation, ça va les transformer en métallisé quoi. Voilà, enfin c'est même pas métallisé, c'est comment qu'ils disent, oui c'est hérissé, donc c'est vraiment ça scintille hein, quoi. Ouais. En tout cas, il est super ce petit kit. Et il me semble que Maïté m'en avait parlé de cette marque-là. Il me semble qu'elle m'a dit tu devrais essayer, ils sont bien. Bon bah tu vois, si c'est toi Maïté qui m'a conseillé ça, là, c'est chose faite. Parce que quand je les ai vus, moi je les connaissais pas, mais le nom ça me disait quelque chose. Et je trouvais la palette assez mignonne. Je me suis dit, allez, on va pas partir dans les tubes. Parce qu'ils les faisaient aussi, je crois, en palette un peu plus petite. Genre, c'est en mode test, hein, un peu comme celle-là où ça va être des tout petits tubes. Parce que c'est un peu une boîte de test. Hein. On va l'essayer après. Voilà, donc là, je viens de... Donc comme j'ai déjà un peu tué ce pinceau, je vais continuer à le tuer. Alors vraiment, il n'est pas de très très bonne qualité ce truc-là. Il est déjà mort. Donc voilà, bon, le blanc, je vais quand même le faire, même si sur du blanc, voilà. Alors, jaune. Allez, je vais mettre de la musique.
bah, c'est super, je crois que vous avez fini. Quand la caméra commence, je me dis ah, non, bon, pas grave, j'ai qu'à appliquer les couleurs, je vais vous montrer. Les couleurs sont très belles là, voilà, on est vraiment sur des couleurs très très intenses, bien pigmentées. Là, on va laisser sécher. Et là, comme j'en ai pas pris beaucoup pour le test, j'ai juste pris là. 147, donc du coup celle-là je vais l'appliquer avec vous. Alors elle est où la 147? Hein, c'est celle-là. On va tester celle-là. Ok. Ensuite la 092, j'avais choisi. Après j'avais pris la 231. Et après, j'avais pris la 194. Bon, je pense que ça se verra mieux sur des couleurs. On remarque normalement ça va marcher sur tout. Hein. Bon. Je pas au pif. J'ai voulu prendre défoncé parce que je me suis dit que ça se verrait peut-être mieux. Alors, je vais essayer de voir si direct sur le mouillé ça marche. Ou si c'est mieux d'attendre que ça sèche. Mais non, ça marche direct. Stop. Au contraire, je pense. Donc là, je mets juste ma pointe du pinceau dedans et puis j'en ajoute comme ça. C'est super, hein. Il est super ce produit-là. Hein. T'as plus besoin de te faire chier à acheter des iridescents. Tu prends la couleur de base que t'aimes et waouh, waouh, waouh. Ça déboîte, ça me plaît. Ça, je m'en prends un autre petit pot parce qu'il est tout petit dans le... Dans ma petite palette. Mais c'est bien, hein. En même temps, c'est un petit truc flash, c'est très complet. Oula. C'est top. Hein. Alors, j'adore. Je suis totalement fan de ce petit truc-là. Je sais pas si ça se voit aussi bien que moi. On va laisser sécher pour voir ce que ça donne. Là, je l'ai pas beaucoup mélangé, justement, pour qu'on voie bien quand ça sèche, si ça fait quelque chose à côté de là où j'en ai pas du tout mis, tu vois. Mais franchement, je connaissais pas ce truc-là, mais c'est super. Moi, j'aime bien tous les petits gadgets. Alors, hop, donc ça, on va mettre là, ça va sécher. Ce que je vous remontrerai tous les nuanciers à la fin de la vidéo, quand ils auront séché. Donc ça, bien sûr, je ne décompose pas. J'ai une petite palette toute jolie, donc je vais l'ajouter dans mon petit compartiment. Là où il y a mes palettes que je ne décompose pas. J'ai bien appuyé sur play au moins, oui. Voilà, et donc là, je vais faire les numéros des derniers tubes là. Hop. Et puis je vais voir. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc là il y en a que 6. Et alors je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est Q O R. Voilà, et c'est couleur vive. Voilà. Donc là, je vais mettre de la musique et on y va.
là, j'ai essayé de vous stabiliser un peu le nuancier si vous voulez capturer pour avoir toutes les couleurs. Et là, de l'autre côté du manuel, ça nous dit des couleurs d'une intensité et d'une profondeur exceptionnelles. Le liant exclusif de l'accord apporte une charge de pigment supérieure à chaque coup de pinceau, tout en conservant les qualités essentielles des aquarelles traditionnelles. Corps offre une gamme d'une intensité et d'une variété de teintes inégalées dans l'histoire de l'aquarelle. Waouh ! C'est vrai qu'elles ont l'air vraiment super, quoi. Alors, tu vois, elles étaient en fin de... Ils vont plus les faire à Bosner. Donc, il y avait quelques tubes, mais il n'y avait pas toutes les couleurs. Donc, ils étaient intéressants au niveau du prix. Mais par contre, quand tu regardes sur Amazon, c'est pas le même prix. Donc, du coup, je me suis dit, je prends juste ce petit pack. Et si je les aime bien, eh ben, je les prendrais, mais tu sais, dans un pack plus gros sur Amazon, genre 24 couleurs ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que là, j'avais commencé à prendre les tubes et tout. Et arrivé à la caisse, on voit que... il y avait affiché 6,99 le tube et qu'en fait c'est en fonction des pigments, donc on avait à 6, d'autres à 9, d'autres à 12, etc. Donc comme ils n'avaient pas toutes les couleurs, je savais que du coup ça devait, que j'allais devoir en gros courir à droite à gauche pour faire trouver toutes les couleurs manquantes et tout. J'ai dit non, ça c'est un truc que je déteste faire, donc j'ai juste pris celle-là parce que franchement le petit ensemble qu'ils ont fait il a l'air sympa et que j'ai déjà beaucoup d'aquarelles. Si vraiment c'est un coup de cœur, je reprendrai une petite boîte, mais tu sais, genre un peu plus complète que celle-ci, mais sans partir sur toute la gamme à l'individuel, quoi. Voilà, ça j'avais commencé comme ça avec les peintes pastel et ça m'a vite saoulé, quoi. Et puis au final, après, quand tu calcules tout, je suis pas sûre que ce soit vraiment le plus rentable de faire comme ça. Alors, est-ce que là, ils nous ont mis les couleurs en plus... Il va falloir que je regarde sur les tubes. Non, c'est bon. Ils sont là. Alors, dans quelle ordre ils les ont mis? Ah bah, c'est bien, c'est écrit là. Donc, bon, bah voilà, là, c'est bon, je mets du son. Voilà, donc là j'ai fini tout ce qui est les boîtes d'aquarelle. C'était la dernière. Franchement, les couleurs sont magnifiques, elle est hyper opaque. Alors il y en a qui sont plus liquides que d'autres, c'est marrant. La bleue là, elle est hyper épaisse. Celle-ci, elle fait presque des filaments tellement elle est. Bon, de toute façon, je les ai mis en godet, donc elles vont devenir opaques. Enfin, elles vont devenir solides, pardon. Donc voilà, mais là j'ai fait celui-là par exemple, j'ai mis trop de pigments, quoi. Je pense qu'on peut l'éclairer beaucoup plus, quoi. Mais là j'avais pas assez de place pour l'étendre, mais là avec ce que j'ai mis là, je pouvais limite faire un fond, quoi. Donc il y en a, elles sont vraiment, je pense que c'est pareil, il doit y avoir des catégories, j'ai pas pensé à regarder sur les tubes, mais il doit y avoir des catégories et il y en a, elles font vraiment effet entre le multicolore et le granulation, quoi. Vraiment, c'est une super belle gamme. J'aurais pas eu autant d'aquarelles, j'aurais approfondi celle-ci, franchement. C'est vraiment très joli. Je pense que quand tu veux une gamme qui coûte pas aussi cher que les Smith, pas aussi cher que les Schmink, pas aussi cher que les Mertini ou des choses comme ça, et ben ça, je les compare un peu aux Supervision, tu vois. Voilà. Peut-être même un petit peu au-dessus, parce qu'elles sont vraiment très opaques, les Supervision. T'as quand même énormément de couleurs métallisées, tout ça, que là, non, pas du tout. Donc, des chemins moins chers, quoi. Voilà. Mais franchement, c'est top. Elles sont vraiment top.
un pain. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à tester? Alors, il nous reste à tester, bah, c'est les petits machins comme ça. Alors, ça. Ça, c'est le pilote super color white. Alors, voilà. Est-ce que ça donne ce truc? Alors, ça, j'en ai pris plusieurs. Il y en a un pour Nab. Je vais le mettre de côté. Ça, j'en ai pris un pour Nab. Ça, j'en ai pris un pour Nab. Ça, c'est des trucs en double. Ah, ça, c'est un réserve du blanc de polychromo. Je peux le mettre là, c'est bientôt fini. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai pris en double pour Nab. Je vais mettre avec la palette les appareils que j'ai mis de côté. Et testera ça. Hop, alors, du coup, là, j'étais en train d'ouvrir celui-là. Alors, normalement, ça, tu tournicotes et ça finit par se péter. Non. Très bien emballé, les machins. Alors, à quoi ça ressemble celui-là? J'espère que c'est pas un machin pousse-pousse parce que vraiment je suis pas puce. Ah, mais c'est hyper. Ah oui, c'est du. Comment ça s'appelle? C'est du mini fin. Là, il a une. Attends, c'est le bouchon, il est encore coincé dans le plastique. Voilà. Alors, comment ça se fait ça? Faut appuyer. Ah oui, faut appuyer. C'est marrant parce que c'est un petit machin comme ça. Il faut appuyer. Alors, je vais prendre le côté lisse de la feuille aquarelle. Je vais prendre un bleu en dégradé de polychromo. Bon, ça va faire des effets de grains, c'est normal. J'ai pris l'arrière d'une feuille aquarelle. On s'en fout, c'est juste pour voir le blanc, ce que ça fait dessus. Voilà. Alors, donc lui, il fait quoi, lui? Oh, bah dis donc, il jette bien. Mais c'est génial, ça, ça défonce. Alors attends, oh putain, ça c'est pas mal. Oulololo, il est là le blanc qu'on cherchait après 57 blancs. Par contre c'est pareil, je pense qu'il va au moins falloir passer deux fois. Et bon, là, c'est une encre qui est humide, je viens de la poser, donc je pense que sur une encre de dessin, c'est-à-dire une encre déjà sèche, je pense que ça peut le faire. En tout cas, putain, ça sort bien, il faut pas beaucoup l'activer. Hein. Là, je me suis dit, tous ces trucs-là, ça marche pas, active-le à mort. Mais au final, je l'ai même vraiment beaucoup, beaucoup activé. L'encre est très grasse, très collante. Bon, bah ça, ça défie. Franchement, et là je vous dis, c'est de l'encre bic que je viens de mettre. Hein. Donc, j'essaierai sur un livre de colo et je vous en reparlerai. Mais alors, putain, c'est top ça. White Pilot machin, là, je sais pas combien ça coûte ça. Il est bien ce truc là. De l'heure, non, c'est pilote 4,95 € à Bosner. Franchement, c'est top. Hein. Celui-là, j'aime bien. J'essaierai en contourant une feuille ou un truc comme ça sur un colo directement. Ou l'encre, tu sais, elle a pas. Alors, ça, je les aime pas. Le machin, tu fais le nuancier avec. Il faut quasiment que tu vides le truc pour rincer la mine. Même en frottant, ça reste imprégné dedans. Non, c'est une catastrophe. Je les aime. Franchement, c'est le seul truc que j'aime pas pour le moment, c'est le pinceau. Alors après, ça, c'est Stedler. Alors Stedler, je viens de le voir. C'est à combien ça? J'ai vu Stedler.
l'heure. C'est de l'heure, marqueur. 2,55. 2,55€. Alors ça, ce que j'aime, c'est que c'est pas en poussoir. Et ça a l'air pas mal aussi. Alors, je sais pas ce que ça va donner dans le temps ou sur de l'encre. En tout cas, j'aime bien. Bah, en fait, ça me fait un peu penser au... Bah, ce qu'on a là, hein, ceux-là, là, tous les petits bâtonnets comme ça. Top. Là, ces deux produits-là, je pense que vraiment, ils sont top. Hein. Je vous reconfirmerai, tu sais, à force de les essayer et tout. Celui-là, je l'ai pris parce que je crois que j'ai jamais testé aussi gros. Pas mal. Après, est-ce qu'il se bloque dans le temps, tout ça, ben, je vous redirai. Alors après, c'est là qu'on a, alors ça, ça va être en réserve, parce que du coup, je me suis pris une fois de plus. Et ça, Crétacolor, là, White Chalk, apparemment, c'est aussi un crayon blanc. Donc déjà, je vais tailler le gros Faber-Castell comme ça, là. Donc là, il y a écrit Germanie, glace, métallique, plastique, Faber-Castell. Donc, on va le tailler. Ah ouais, dis donc. Oh, il est super gras. Oui, bah en fait, c'est un peu comme les... Il ressemble un peu... Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est... Voilà. Il ressemble... Il marque super bien, quoi. C'est genre un peu un drawing. Là, attends, faudrait que je l'essaye sur un papier lisse. J'ai pris les polychromos, tant qu'à faire. Et donc là, voilà, il défonce. Oh, celui-là, celui-là, je vais en recommander dessus. Là. Je vais regarder à combien il est sur Amazon. Et après, fais voir celui-là. Oh là là, bah celui-là, il a l'air d'être puissant aussi. Alors bon, ça, c'est d'une autre marque, c'est Crétacolor. Ça déchire ça. Oh, mais déjà le Faber-Castell, quand je l'ai vu là, j'ai dit direct à Adeline, mais c'est pas le même. Celui-là, ça n'a rien à voir. Mais par contre, il a l'air quand même bien. En fait, il est plus sec. Ah bah oui, bah, c'est un blanc pastel. Ok. Donc ça, c'est un blanc pastel. Voilà, c'est un crayon blanc pastel. Donc, ok. Donc, voilà. Et alors, attends, fais voir maintenant le gros gras. Si je le blend avec le normal des blancs. Mais ouais. Et là, tu fais la liaison. Waouh, je suis trop contente. Quand j'ai vu celui-là, j'ai dit à Adeline, c'est pas le même blanc que les Faber-Castell. Je dis, bah, fais voir, il a l'air plus gros. J'ai dit, bah oui. Et elle lit dessus, là, parce qu'elle a des bons yeux. Et elle me dit, bah non, il y a écrit qu'on peut écrire sur de la glace, sur du métal, sur du plastique. Oh, si bon, on en prend direct. Mais ils sont mais magnifiques. Heureusement, j'en ai pris deux, franchement. Je suis trop contente. Mais ceux-là, mais ça va être ma vie, quoi. Mais ceux-là, ça va être ma vie. Hein. Oh. Moi, de toute façon, je suis trop fan de leurs produits. Rien que le petit logo, le petit insigne, là. Mais ils sont magnifiques, ces crayons. Puis là, tu vois, en fait, voilà, c'est genre comme Holben. Tu vois, Holben, t'en as un comme ça. Et t'en as un comme ça. Et ben maintenant, c'est pareil chez Faber-Castell, mais gros, c'est trop la classe. Oh, franchement, je suis contente. Vous savez que c'est ma marque préférée, je suis trop contente. Parce qu'en fait, j'utilise souvent les autres blancs un peu plus gras. Et après, je lis avec celui-là. Donc ben là, je pourrais rester dans ma marque. Je suis trop contente. Après, je vais pouvoir lier un peu le truc comme je veux, voilà. Tu vas en rajouter un peu ta vue, t'en rajoutes un peu ta vue.
après si tu veux relisser un peu ta vue, tu fais, je vois ce blender. Ça se blende. Ah ouais. Ça se blende. Hein. Tu vois. Tu peux la remonter. Ah ouais. Ça. Il est vraiment grand. Hein. C'est. Oui, c'est. C'est comme le Holben gras, quoi. Oui, il est comme le Holben ou. Presque entre le Holben et le Staedtler blanc. Hein. C'est, il est vraiment très grand. Hein. Putain, j'en ai plein sur les doigts. Franchement, ça déchire. Trop content. Et donc, bah ça, c'est un pastel. Donc, pas mal hein, pour faire des effets. Parce que disons qu'il est blanc, il pastel vise bien. Ah, ça ne fait plus machin. Bah, connard. Ah, allez donc, t'as mis du temps à te faire, hein, le machin. Tiens, regarde, lui, il est bien. Hein. Il est pas mal. Franchement, c'est top. Mais écoutez... Là, si je ne me trompe pas, bon, on a tout essayé. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais en tout cas, on a tout essayé. Alors, gros coup de cœur du haul. Honnêtement, je pensais que j'allais vous dire les Daniel Smith. Eh ben, mon gros coup de cœur de ce haul, c'est le gros Faber-Castell blanc. Spécial glace métallique plastique là, il est magnifique. Je suis trop contente. Le deuxième coup de cœur, ça va être les deux blancs là, bah, deux et trois du coup puisque c'est pas la même marque. Et le quatrième coup de cœur, c'est ces tubes là. Vraiment hyper contente. Et aussi le cinquième, bah, du coup je vous donne l'ordre, ce sera plus simple. C'est les machins comme ça mêlés opaques. Le jaune, bah il est vraiment translucide donc peut-être dans des ajouts, des petits machins, voilà. Là, bah, comme elle a fait, là, les rayons jaunes, là, sur sa pochette, là. Mais bon, voilà, comme ça. Et la grosse gomme. Je kiffe. Après, bah, les peintures, je les kiffe, quoi. Ça, c'est une évidence. Mais là, je les connaissais, si tu veux, les peintures. Mis à part celle-ci, où je vous le dis, c'est vraiment une belle découverte. Pour moi, je les aligne facile aux supervisions, mais également un peu en... Parce qu'en fait, au niveau du prix, c'est plus les supervisions, mais ils ont quand même le côté granulation des chemins, tu vois. Et l'intensité. Donc vraiment très très belle découverte pour cela. J'ai adoré aussi le produit iridescent là, qui va avec ça. Là. Je trouve que vraiment c'est super, ça a séché. On voit vraiment la différence entre les parties où il y en a et d'autres où il n'y en a pas. Donc c'est top parce que du coup, tu peux fabriquer toi-même tes couleurs à mesure. Bon, bah ça, je voulais déjà citer ces petits trucs-là. J'aime bien parce qu'en plus, c'est bien opaque. Et alors, ces trucs-là, là, je suis total coup de cœur. Bah, grosso modo, je regrette rien de ce que j'ai acheté. Absolument rien. Vraiment, je suis trop contente. Des fois, ça m'arrive de faire des dépenses et de me dire, ça fait chier. Ou alors, j'adore, mais je n'utiliserai jamais. Et là, voilà, je vais tout tester. Et surtout, ces machins-là. Gros coup de cœur. Voilà. Mais écoutez, je vais poster la vidéo. Il est quelle heure? Il est au moins 2h du mat. Bon, voilà, on n'en est pas loin. Je vais poster la vidéo, comme ça, vous l'aurez... comme j'ai pas fait de live ce soir. Donc, bon, maintenant, on est jeudi, mais enfin, mercredi soir, là, mercredi, je n'ai pas fait de live. Donc, bah, du coup, ça fera une petite vidéo qui sort le jeudi à la place. Voilà. Et puis, de toute façon, on a fait de live mardi avec Kevin. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le replay. Je vous invite également à nous rejoindre sur notre chaîne du Club des 6. Et n'hésitez pas les filles à mettre des petits commentaires aux filles. Bah, pour la plupart, c'est la première fois qu'elles font des vidéos comme Corinne. Il n'y a que Adeline et moi et Lénie que vous connaissez déjà. Parce que Lénie, elle avait sa chaîne avant, donc peut-être que certaines d'entre vous la connaissaient. Mais sinon, Soso, Coco, Meg, c'est vraiment... et Marie que vous connaissez déjà par le biais de sa chaîne, et Nabaya. Mais Coco... Sonia et Meg, c'est vraiment, elles se lancent dans le bain, quoi. Donc, n'hésitez pas à leur mettre des petits commentaires, c'est très encourageant, ça leur fera plaisir. Et puis voilà, quoi, le polo, c'est le partage. Et ben, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce haul en ma compagnie et ces petits tests de haul vous auront plu. Il n'y a qu'un truc, donc, où je vous ferai un recul sur niveau qualité, ce que j'en pense. C'est ça, c'est du coup dans le temps et ça n'allume pas trop vite. Et là, comme j'ai marqué de l'encre fraîche, à voir quand je vais marquer de l'encre sèche, s'il y a besoin de moins de couches.
Et puis c'est tout ça, je suis sûre, j'en suis sûre. Concrètement, c'est surtout sur ça qu'il faut que je fasse un retour pour dans le temps. Voilà. Ah oui, et celui-là. Comme je l'ai entamé, là, voir si il se bloque parce que je ne l'utilise pas 10 jours, par exemple. Voilà. Et ben, je vous fais des gros gros bisous. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, à me poser des questions. Je vous mettrai le nom en titre du magasin où j'ai trouvé tout ça pour les références des prix que je vous ai donné. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles, ciao les boys, à très bientôt, ciao à tous. Voilà, ah oui, j'avais donc pris ça là. Attends, je voulais d'abord vous montrer. Donc ça, ils ont séché là. Ça, vous voyez bien les couleurs. Et on avait pris ça, la grosse craie senelier. Comme ça. Qui est très grosse par rapport aux normes. Donc Adeline, elle va faire une petite vidéo bientôt. Et elle va montrer comment elle l'utilise dans les fonds, comme ça je regarderai et je verrai si j'arrive aussi à faire comme ça. Pour faire des ajouts de blanc. Elle m'a dit plus des trucs genre d'affumer, tout ça, du coup. Voilà. Bisous, bisous.